bien, c'est le jeu, c'est Bitté 2, j'espère que vous allez bien, on se aujourd'hui pour un nouvel épisode de Pokémon Colosseum. Ouais, j'essaye de faire de plus en plus d'intro rapide en mode gros yolo swag, toi-même tu sais, rappeur américain. Donc j'espère que vous allez bien, moi ça va plutôt pas mal, pour l'instant en tout cas. Je viens de sortir d'une semaine de maladie, n'est-ce pas? Vous êtes au courant, c'est pour ça que je suis un peu Death Side Eye sur Twitter et sur YouTube. C'est parce que j'étais malade, de type beaucoup. J'avais une grosse sinusite, pour ceux qui connaissent un peu les maladies. Grosse sinusite, donc bien chiant, puisque ça prend en gros toute la tête. En gros, vos sinus, c'est une cavité qui est située au milieu du nez. Et en gros, quand c'est bouché à l'intérieur, en gros, ça englobe tout le système ORL. Donc en gros, les oreilles, le nez, les yeux, le goût, l'odorat, enfin bref, c'est n'importe quoi. Ça vous fout des maux de tête monstrueux. Vous avez juste envie de vous tirer une balle dans le crâne tellement c'est chiant. Mais c'est bon, au final vous vous en sortez. Yeah, youpi. Je commence à m'en sortir, je parle plus trop avec le nez là. Donc voilà, je tourne un épisode de Pokémon de Colosseum. Parce que bon, ça fait un peu longtemps, tu vois. Ça fait un peu longtemps. Donc voilà, il faut bien. Alors... what the fuck, qu'est-ce qu'il nous fait? Ah oui, Mania, très bien, parfait. Ambrilex qui a absolument tout compris à la vie, n'est-ce pas? On peut le souligner. Du coup, on va continuer ça, on va faire choc mental. Hop, au KLM. Donc du coup j'espère que vous allez bien, moi ça fait super plaisir de vous retrouver pour un nouvel épisode de Pokémon Colosseum. Putain, 25 ans plus tard là, là j'avoue que ça me fout le smile, tu vois. Parce que bon, c'est pas comme si j'avais pas pu tourner pendant une semaine là, une semaine complète. Imaginez une semaine complète sans tourner, j'étais au fond, mais au fond. Donc bien chiant. Mais du coup, je vous retrouve, c'est un plaisir. Je vais tourner plein de games de LOL, je vais tourner du Ni no Kuni, je vais tourner du Pokémon Colosseum, tout ça, blabla. Y a Race for the Dragon qui arrive bientôt. Je ne dis pas la date, bien sûr. Mais vu que bon, le teasing commence à être en place sur Twitter, tout ça, blabla, je me dis que c'est bon, je peux vous dire qu'il y a Race for the Dragon qui arrive. Donc, ça arrive bientôt, soon. Vous inquiétez pas, vous verrez le premier épisode popé. De façon assez rigolote, puisque de toute façon j'ai upload toute la série grâce à la fameuse 4G Week pendant tout un week-end complètement illimité gratuite. D'ailleurs j'ai fait un stream, j'ai fait plusieurs streams sur League of Legends que je vais essayer de vous diffuser. Ça fait 5 heures hein, donc il y en a un, c'est 5 heures, mais bon après c'est sur le système de la GR, donc je pense que je pourrais vous uploader tout le dawa, mais voilà. En tout cas, un plaisir de vous retrouver sur Pokémon Colosseum. On est donc, du coup, faut le rappeler quand même, au niveau du repère de Bulldiscao. Vous savez, Bulldisco, celui qui bouge la tête en mode « Oh, baby !» et qui a une putain de musique swag quand il bouge. Donc voilà, c'est lui. Et après, donc, du coup, derrière, je sais pas ce qui se passe. Là, on doit affronter genre une vingtaine de putain de dresseurs. Donc c'est un peu casse-burne, voyez-vous. Mais derrière ça devrait aller. Sinon on pourrait parler quoi dans cette vidéo? Parlons d'Ebola peut-être. Ebola, tu vois, toi-même tu sais. Alors Ebola, pour ceux qui ne savent pas, c'est une maladie absolument monstrueuse qui fait beaucoup de dégâts. On est actuellement en Afrique. Les cas commencent à se propager en Europe, tout ça. Faut savoir qu'en fait au final le risque de le choper, c'est pas si élevé que ça. Si vous êtes genre type propre, ça devrait passer. Parce que en gros, c'est juste avec. Merde, comment ça s'appelle? Avec des contacts physiques, humains, tout ça. En gros, genre par exemple, quand vous faites l'amour au final. Puisque c'est dans les fluides du corps humain. Et en gros, faut faire attention, faut être propre, faut pas s'éternuer à la gueule des uns et des autres. Donc voilà, en gros, il n'y a pas 5 millions de chances de le choper. Par contre, effectivement, c'est quand même très dangereux, parce que vous pouvez
pouvez mourir, je crois qu'il y a 55% de l'électricité. Ça doit être ça. 55%. Donc en gros, ça met un peu des baffes à ta vie, quoi. T'es un peu déçu à la fin si tu meurs. Mais donc voilà, il suffit juste d'être un petit peu précautionneux, ça se dit, non pas du tout. D'être préventif, propre, et normalement tout devrait bien se passer, et ça passera comme la grippe A. Oui, grippe A, rappelez-vous, une maladie qui était censée être mortelle pour n'importe qui l'avait, je l'ai chopé, je suis pas mort. Mais bref, voilà, c'est absolument merveilleux. Je parle de maladie dans mes vidéos, putain, la loose. Donc, vous inquiétez pas, le rythme des vidéos reprend à une vidéo par jour, tout ça. Donc, voilà. Ça fait déjà la cinquième fois que je commence à retourner cet épisode parce que chaque fois, j'ai un souci. Genre, la dernière fois, j'ai quand même oublié de réactiver mon micro. Je sais, je pèse. Alors, qu'est-ce qu'on va donc faire hein? On va faire ça. Voilà, hein. La petite morsure qui termine. Au KLM! Et sinon, Noctalie, concernant le foutage de gueule, on en parle ou pas? Parce que bon, faut pas déconner, hein? Hop, on avance. Qu'est-ce qu'il y a ici? Ma bite! Pardon. On l'affronte, ouais, on a largement assez de Pokémon de toute façon après derrière. On a encore deux Pokémon obscurs absolument merveilleux, n'est-ce pas? Ton Pokémon insecte est attiré par ma flamme? C'est une déclaration absolument nulle à chier. Dynavolt, très bien, Dynavolt. Tu vas manger. T'es qu'à taille, bye bye, tu vas manger. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un petit morsure, un petit choc mental sur ce blaireau là. Allez hop. Ah, t'as douillé. Tu vois que tu douilles. N'empêche, j'hallucine quand même. Voltor, il est vraiment super bien réalisé quoi. En même temps, vous me direz, c'est pas super compliqué. Bleu, rouge. Bleu, rouge, what the fuck. Blanc et rouge, avec des yeux, ça va, c'est pas compliqué à faire. Mais je le trouve vachement bien modélisé. Modélisé au niveau des textures, c'est vachement lisse et tout. Hop là. Dynavolt qui va décéder. Il est trop mignon quand il meurt. Quel connard. Je suis vraiment un connard. Moi. Il est trop mignon quand il meurt. Parfait, donc Noctali qui passe niveau 31. Enfin, en même temps, je vous dirais, s'il n'était pas passé niveau 31, je pense que je l'aurais mis une baffe. Tellement il manquait peu d'XP, genre il devait en manquer 2, tu savais. La base. Ouais, bon, on les passe un peu easy, hein, les dresseurs, hein, quand même, là, hein. À un moment, moi, je veux bien, je veux bien, tu vois, je veux bien. Allez, là. Ah oui, au fait, un truc ultra important, sa race. Bientôt l'acquisition d'une webcam. Donc, bientôt l'apparition des putains de facecam sur toutes les vidéos possibles et inimaginables dans ce monde absolument féerique qu'est YouTube. Oui. Absolument, mesdames et messieurs, absolument. Je sais que vous avez juste tellement hâte de voir ma tronche dégueulasse. Hop. T'as plus. Moi, je retourne voir le gros, là. Eh, le gros, ouais. Moi, je vais voir le gros, ouais.
sérieux, mais puisque comment il fait pour vivre avec ça, quoi. Le mec, il a plus de boobs que sa mère. Truc de fou. Regardez, non, mais sérieux, il a plus de boobs qu'elle. À un moment, tu te poses des questions quand t'as plus de seins. T'es quand même censé être un mec, quoi. Enfin, je sais pas. On sait, le gamin. Biker. Ah ouais, non, quoi que, elle est quand même bien fournie. En fait, ils sont tout plats, mais bien fournis. C'est très bizarre. Ok, très bien. On va lâcher un mort sur ce coxy. On va marcher. On va lâcher un choc mental sur le dos du haut. Dos du haut, nul à chier. Ah, effectivement, il est un peu douillé, je crois. Très légèrement. Quelque peu douillé. La poursuite sur... Ah oui, bien sûr, t'as raison. Ah oui, un PV sur Noctalie. Ah oui, t'es des gros dégâts quand même, là. Hein. Là, je pense qu'on peut souligner le fait que Noctalie va décéder d'un moment à l'autre, tellement il pleure sa race, là. Il a quand même pris un PV dans la tronche, quoi. C'est quand même assez merveilleux, vous imaginez. À un moment... Quand vous êtes si minable que ça, vous ne parlez pas à point. C'est juste infâme. Mon Dieu. D'accord, donc très bien. Un coxy absolument intuable. Encore poursuite. Il m'a envie de PV dans ce combat quand même. C'est assez remarquable, on peut le souligner. Donc très bien, dos du haut, t'es mort. Oh, c'était très mignon, le petit nonon avec les pattes. Nanana. Tilton. Oh, il est mignon. Il est bien fait. Ah bah oui, c'est vrai, puisque c'est sorti un an après. Saphir et Ruby. Donc effectivement, la 3G est bien présente. Ça pue. Qu'est-ce qu'on va faire? Ouais. On va faire un retour dans la tronche de Tilton, quoi. Au calme. Splay. Qu'est-ce qu'on peut faire derrière? Ah, ça y est, le coxy intuable est mort. Hop. Bon bah du coup on va enchaîner 4 milliards de millions d'attaques sur ce pauvre Tilton qui va d'assadaï. Ouh le coup. Ouh sympathique le petit pixel de PV qui me fait suer. Bon au moins c'est sûr qu'après derrière Noctalie le tue quoi. Donc pas vraiment un souci. Hop très bien. Un personnage beaucoup trop fort. Tu m'as fait mordre la poussière. Eh ouais pauvre chérie. T'es un peu trop mauvaise. Bon, on peut souligner quand même, mine de rien, les dégâts qu'a pris Noctalie. Hein. 2 PV. Absolument merveilleux. Alors, je reviens juste 2 petites secondes dans ce combat se lance et tout, blabla. Oh, un stal gamin. Absolument merveilleux. Donc on va lâcher ça sur Obali et on le lance. Allez, quelques dégâts sur le stall gamin quand même. On va voir ce qu'elle va faire Noctalie. Ok, quelques dégâts aussi sur Obali. Bon évidemment après derrière c'était un coup critique. Quoi? Ah oui d'accord, il est confus. Très bien, parfait. Onde boréale. Mange ça dans ta tronche. Oh, il est vachement stylé, le laser. Bon, bah on va recommencer, hein. Un combat très très dur. Merveilleux. C'est absolument merveilleux. Mais au Bali, il est monstrueux, le machin. Enfin... Please, à un moment, quoi. Enfin... Mentali Météor
Ouais, non, météor, ça sert à rien. On s'en carre. Sérieusement, Colosseum et ses musiques de légendaires de combat, quoi. Le mec il part trop loin. Truc de fou, quoi. Alors. Donc là, y'a rien, absolument merveilleux. Il y a rien non plus. Hop, même dans un petit peu. Et bon. Alors, très bien. Ouais. On va voir ce que ça donne, ça. Même si je crois pas trop. Ok, d'accord, très bien. C'est le one shot du pot ramp. Non mais oui. Oui. Très bien. Très bien. Moi ça me va. Moi ça me va. Oh, un sablette. Un sablette. Ouais, voilà, je m'en doutais, zéro dégâts, zéro dégâts. Ah, il a la trouille, par contre, ça c'est nice. Et on va continuer, on va faire choc mental. Split. Coup critique. Oh, le deuxième one shot, du OMG. Beaucoup trop nul, quoi, enfin. OMG. J'adore comment il tombe en mode pfff. Danse fleur. Ça fait des dégâts dans ce fleur. Ah oui. Allez hop, on spam tous les boutons là, hein. On s'en carre. Alors. Alors, le chasseur Lola. Attends, Lola. C'est dur à tenir, Lola, je trouve. Hop. Wish. Elle a des muscles, Elle a des muscles. Mais sérieusement. Ils sont tapés un délire bizarre, hein, Nintendo, quand même, avec eux. Hein, je... Moi, je comprends pas. Je parie des trucs bizarres. Hein. Il y avait un mec chez Nintendo, il a fait « Ah, moi, j'aime les muscles! Moi, j'aime les muscles !» Ils ont fait « Ouais, monsieur, on va mettre des muscles partout !» Et voilà. Ainsi est né... les culturistes. Ok, masse dégâts sur Karkner. What the hell? Oh, les dégâts! Mais just die! Un moment! Please, quoi! Après, on ira soigner nos Pokémon, je crois. Parce que là. Tiri
Ah. On voit qui veut m'en lasser. Je t'aime. Je t'aime. Laisse-moi t'agripper avec mes tentacules. Truc horrible. Très bien. Les dégâts. Les dégâts. Les dégâts. Alors. Donc, très bien, très bien, très bien. On est en train de casser la bouche à tout le monde, c'est absolument merveilleux. C'est lui qui m'a écrasé. Hé, t'as mis le genou à terre, ah, t'es nul, hé. Ah, t'es nul, hé. Comment t'es nul? Alors. Ok, donc moi je redescends en bas pour aller me soigner. Hop. Redescendons en bas. Putain, deux étages et descendre et tout là. Pff, trop chiant. Faut pas se téléporter dans ce jeu. Le mec ronfle les marres à mort quoi. Hop. Très bien, c'est bon, j'ai soigné mes Pokémon. S'il te plaît. Merci. Oh mon dieu. Ok, hop, on monte encore un étage. Oh putain. Ah, intéressant. Il veut nous combattre lui? Ah, ok, donc on va rentrer là, hein, absolument merveilleux, n'est-ce pas? Oh mon chou, tu n'es pas un homme de docking, tu ne pensais pas tout de même pas pénétrer ici en douce. Nia 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 nia. L'anéantir après la raclée qui vient de te prendre. Vous allez voir, je vais vous chasser hors de la ville. C'est ce qu'il veut, hein, me dis pas qu'il... Prends ton Pokémon dans notre chasse pour que tu tiennes tranquille, quoi? Ok, là les deux nanelles, mon vieux, elles sont en mode il est baignant. Et non, en fait non, t'as juste envie de te bouffer un combat avec elles là. Pff. Sérieusement. Ah les femmes aujourd'hui. Tiens, aucun intérêt. Le mec blasé de la vie. Le pauvre. Je suis blasé. Très bien, très bien. Très bien, donc un Remoraid de type Pokémon obscur. On va faire un petit juste un petit force caché. Et un gros choc mental sur Mimical. La base. Split. Au revoir Mimical. Je sais que t'aimes bien les one-shots. Le mec. Allez. Love Disc. Oh, il est bien fait aussi Love Disc. Très lisse, très sympa. Meurs pas. Amen. Putain, comment on pèse. Lance charge noir. Ah non, Chuli, il va mourir. Taras, taras, taras. Ok, très bien. Donc, Love Disc, tu viens de m'énerver. Je viens de m'énerver à cause de ce Remoraid. Tu vas mourir. Tu vas mourir. Tu vas prendre très cher. OMG. OMG. Ah, ça m'énerve, ça m'énerve, ça m'énerve, ça m'énerve. Je suis pas content. Je suis pas content, Eh, ça se voit que je suis pas content là, hein. Quand je parle comme ça, je suis pas content. Mon dieu. Un truc horrible. Allure, 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 allure. Qu'est-ce qui s'est passé? Incroyable! Oh là 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 là! Genre Poufi, quoi, enfin. Thank you.
démenta. Il a direct un démenta, le mec. Genre, salut. Non mais très bien, très bien. Allez, c'est qui le Pokémon obscur? Démenta, ah bah très bien, on va capturer Démenta au lieu de Dremoray, hein. Du coup, on va focus Cap Humain direct, hein, voilà. Hein, parce que Cap Humain, c'est chiant. Buldo, ouh, gros dégâts. Ah, tu veux même pas la bouche, quoi, enfin, genre non, on pue. Ok, non, mais ok, très bien, très bien. Très bien. Spray. Spray, spray, spray. Non, vous savez ce qu'on va faire. On va faire force cachée. Et lui, on va lui bouffer un choc mental dans sa race. Quoi? Oh, les dégâts. Bon, très bien. On va sortir donc un macronium de type Pokémon obscur. N'est-ce pas? Très bien. Buldo, maintenant, est-ce qu'il va passer en mode hyper? Histoire de réduire encore de façon constante sa punaise de barre. On y va, il va s'énerver direct. Il va arriver. Blablabla. On va continuer, on va faire charge noir. Blablabla. Il est chiant avec son étonnement, lui. Hein. Ah bah voilà quand même, t'attaques enfin un peu mon Octali quoi. Enfin depuis tout à l'heure il est en mode salut, je suis Octali, j'existe. Parfait, donc là il est. Là on va commencer à pouvoir tenter de le capturer des mantas. Des mantas blusés paralysés. À la trouille, ouais forcément, hein, ouais t'as raison. Ah, Pokéball. Absolument rejet. Des mantas. Macronium, charge noire, cap humain. Allez, on tente de snatch. Telle une BH. Mais ça me semble capturé. Effectivement, Démenta est capturé. Eh ouais, eh ouais. Un fouinard. Un fouinard. Moi aussi j'ai un fouinard, mais. Mais il te casse la bouche, monsieur. Alors, non, Kutali, je pense que nous sommes d'accord, on va tous focus Cap Humain. Parce que le Cap Humain, il commence un peu à me péter les rouleaux. Étonnement, étonnement, blabla, 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 la tarasse. Ah, quelques dégâts tout de même. Je pense qu'on... Ah, ça y est, voilà, il est vénère. Super. Et on va appeler. Appelle Macronium. Spray. Il est redevenu gentil. Pas du tout. Un coup de main encore. Ça va un moment là. So much coup de main encore. Ok, très bien. Donc les dégâts du Cap Humain quoi. Enfin, please. Le Cap Humain qui vient de prendre trop cher. Yanma. OMG Yanma. Un Pokémon type très fort. On va lâcher ça. On va faire ça. On va faire ça sur Yanma. Mais ça va, tes coups de main là, toi. Tu fais que ça dans ta vie. Tu sais pas faire. Tu sais pas faire autre chose. Genre, je suis seul. Wow. Prends pas trop de dégâts. On va se calmer tout de suite, hein. Tiens. Encore. Eh, relou, hein. C'est bien, hein.
super masse truc. En soi, ça me bat. Non mais vous savez, non mais vous avez vu l'animation de fou et tout pour cette attaque alors que ça sert à rien. En plus il lutte son attaque. Allez, allez, pinguez le nul, pinguez le nul. Ah, un trancher, histoire de finir Fouinard, ça peut être utile. Parce que Fouinard, il commence à me péter les roulants constamment avec son... Coup de main, coup de main, coup de main. Et il met quand même quelques dégâts, le... Le Yama. Allez hop, c'est fini pour ta vie. Mais... C'est fini pour tua. C'est fini pour tuer, mammut. Ah, je fais référence à quoi? Je fais référence à quoi? Je fais référence à quoi? Mettez-le dans le commun. Bon, les dégâts. Hop. Il va trop vite, lui. Tout fou. J'ai jamais vu un Pokémon aller aussi vite, quoi. Enfin, tu le vises, quoi. Là il va nous défoncer notre Noctali, enfin voilà, très bien, Noctali 22 PV, très bien. Absolument merveilleux. Encore? Ça va là? Trois fois dans le même combat? Enfin, please. Moi, un moment, je veux bien être réglo donc de Macronium, mais enfin, je sais pas, toi, t'es un peu en mode blablabla. Parce que là, du coup, Noctali il meurt. Oh, même pas. Ouh, comment qu'on gère? Allez là, allez, 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 là, on finit là. Hein? Là, on finit, s'il vous plaît. Le Yanma là, 25 PV là. Charge! Ah ouais, carrément, le mec ils sont balance, je te fais charge! Ah, Yota, notre ami meurt quand même. Déçu. Déçu, déçu, déçu. Déçu, déçu, déçu. Fouinard, voilà, on balance Fouinard. On balance notre Fouinard. Notre Fouinard, complètement OP shit, hein. Full price is high. Tout de même. Bleh! Patate que ça met, sérieux. Moi je te défonce à coups de crâne. C'est sale. Très sale. Tata. Que s'est-il passé? C'est un cauchemar. Oh là 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 là. Que d'émotion. Ouais, c'est pas maman. Ok, c'est là. Ultra sprint final. Ok, très bien. Ok, là-bas il y a un rapport. Wesh. Le lire. Les Pokémon obscurs. Un Pokémon obscur est encore inférieur. Nous nous ignorons. D'accord, donc en gros, il parle de Xena MDR. Alors, wesh frère, ouais poto. Merci pour votre aide, vous connaissez notre fille, oui. Je vois que les dieux, j'avais tout compris de travers. Prendre le Pokémon de Doki dans le message qu'elle lâche. C'est ça, nous sommes venus ici pour sauver Posipi. Moi aussi, je viens. Ah, regarde, y'a du temps pas dans Doctor ou devait attendre ici. Eh oh! Ton plus que le roi, une tête de con. Ok. Donc sortons. Allons explorer le monde de l'impossible. Du coup, moi je vous propose, on va arrêter l'épisode ici. On se retrouve tout de suite pour le prochain épisode. La bise.